Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens de me réveiller, je pense que ça se voit absolument pas, évidemment. Il est 5h du matin, encore une fois, voilà, c'est la deuxième fois du séjour. Non, je pense pas que ce soit la deuxième fois du séjour, on se lève tout le temps ultra tôt. Aujourd'hui est un jour spécial. Vous m'avez énormément réclamé des vidéos ski. What's up, est-ce que tu vas au ski, blablabla. Est-ce que tu vas faire des vidéos ski, blablabla. Et bah aujourd'hui, je vous ai écouté les gars. Je vous ai entendu, j'ai vu vos milliards de messages. Et c'est ouf parce que ça fait 2 ans que j'ai pas fait de vidéo ski. Aujourd'hui, j'ai réservé pour vous une journée ski au Japon. Et je pense que ça, c'est du jamais vu dans l'histoire d'Internet. J'abuse. Bon, aujourd'hui, avec Cocotte, qui est toujours là, nous allons snowboarder dans les montagnes japonaises. Et on va partir maintenant. D'abord, on s'habille. C'est parti. La technicité de ce matin, c'est qu'il faut s'habiller en ski, mais pas trop chaud, parce que sinon on va avoir chaud dans le train, et une fois arrivé là-bas, ça va être un bordel. Donc là, j'ai mon pantalon de ski, je pense que ça va finir dans le sac ça. Hein. Je pense que je vais mettre un legging avec des chaussettes, je vais mettre les chaussettes de ski dans le sac. Je crois que c'est un bon deal. Ok les gars, il est 5h40, on est parti. Let's go. Alors, c'est un peu spécial parce qu'en fait, on rejoint la station de ski en Shinkansen, donc c'est un train un peu comme le TGV en France, et en gros en 1h15 on sera à la station de ski et le train il nous dépose directement dans la station, et ça c'est incroyable. Je crois qu'en France on a archi pas ça, enfin en tout cas en 1h15 de Paris on a archi pas de station de ski. Du coup je crois que c'est la station de ski la plus proche de Tokyo. Actuellement il y a de la neige, du coup j'ai trop hâte de voir qu'est-ce que ça donne. Alors je pense pas qu'il y aura des montagnes de fou, mais je pense qu'on peut déjà se régaler. Là, ça va être vraiment une première en mode on découvre le ski au Japon. Est-ce que voulez-vous quelque chose de drôle? Regardez notre outfit. Ah oui? On est exactement pareil. Genre, legging, chaussures, blanches et trucs. On est vraiment zin cool. On est pareil, mais ça va être trop bien. Merde. C'est comment ça? Les gars, on est dans le train, on arrive dans 30 minutes. 30 minutes, ouais. Oui. On voit déjà un peu des montagnes avec de la neige et tout. On voit il y a des gens dans le train, ils ont leur snow et tout, donc c'est qu'il y a de la neige. En vrai, j'ai hâte. Moi aussi. Elle m'a dit qu'elle avait un petit trauma du snow parce qu'elle avait fait une grosse chute. Ouais, vraiment. Puis j'ai failli partir en ambulance, mais on devrait être correct. On va voir ce que ça donne en vrai. Et ça se peut qu'elle va être vraiment bonne, puis moi je vais être à chier. Je vais être là avec Cocotte. Elle va être hurlée en dormant. Ouais. On va voir. Ouah, il fait froid. Je crois que c'est par là. Et on va arriver à la gare. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde. Ça, c'est banger. Bon, là, du coup, on est arrivé dans la gare directement. Il y a les trucs pour acheter les tickets. Il y a même des petits magasins. Donc là, c'est pour les tickets. Et nous, ce qu'on cherche, c'est du coup pour louer des skis. Oh, c'est là-bas. Là, on est dans la gare. Et on est au pied des pistes. Je trouve que c'est une dinguerie de faire ça. On va louer un petit sto. Let's go. C'est parti. Ok, du coup, c'est bon. On a acheté les locations. Alors, pour la demi-journée, enfin, pour la journée, pardon, j'en ai eu pour 1500 yens, ce qui fait à peu près 52 balles. Donc, je trouve que c'est ok. Donc, c'est bottes plus le snow plus un casque. Après, moi, j'ai les lunettes, les gants et tout le matos qui va avec. Et c'est trop pratique parce que vous voyez, vous payez comme ça sur des bornes, vous scannez un QR code, vous venez là, vous payez et ensuite vous faites la queue là-bas pour récupérer vos affaires qui ont été préparées en avance. Donc ça, c'est trop bien. Donc là, j'attends qu'on cote et c'est parti. Ok, là du coup, on est dans un endroit avec des casiers, on va mettre toutes nos affaires là-dedans et on va se changer en mode snowboarder. On est enfin ready pour aller ride. C'est parti, on va récupérer nos snows qui sont juste ici. Waouh, ça c'est mon snowboard, on a exactement le même. Sauf que elle est goofy, moi je suis régulière, c'est-à-dire que moi c'est pied droit devant. Moi c'est pied gauche. Pied gauche. Pas trop stressé? Non, ça va. C'est parti alors. Ok, du coup on est descendu, la station elle ressemble à ça. Il va falloir faire gaffe au balisage, je vous avoue que moi je vais un peu partout. Cocotte, je sais pas. C'est là où vous mettre le snow les gars. Ça va faire trop bizarre de ride un autre snow que le mien. Allez, c'est parti. La cocotte, ce que je redoute le plus, c'est la sortie du télésiège. Ouais, solo.
À tout moment, il y en a une. Les sièges vont être là en bas. Il y en a une de nous deux qui va crever en haut. Et laquelle? Prenez des prédictions. J'en sais. Est-ce que c'est moi ou c'est elle qui va tomber? Bizarre, il n'y a pas de support pied. Oh regarde, mais la neige elle a l'air... Non, franchement la neige elle a l'air trop bonne. On voit rien, on arrive à l'arrivée. On est arrivé. Ok, j'ai géré. La neige, donc là j'ai fait trop. Non mais c'était sûr, en fait ça c'est vraiment la phase obligatoire du snowboarder, que tu sois débutant ou non, tu te pètes la gueule forcément. Okay, vas-y, bon. Je te suis. On suit. Je te suis, je veux voir un petit tu peu. Tu veux voir moi? Ouais, je te regarde toi, vas-y. Oh my god. Oh, je suis stressée. T'es stressée? Je suis vraiment stressée. Bon, ça va, elle abuse. C'est par là, cocotte, hein, si jamais. Ouais, c'est par là. Ok, vas-y, venez à toi, t'es wouh. Oh, par contre, là, ça avance pas. Alors, par contre, là, on est un peu dans la merde parce qu'il n'y a pas de skieur là. Si on rame, on rame à deux. Ouais, c'est dingue, c'est la première fois que je fais une sortie avec un snowboarder. Autre que moi. Ça va aller. En plus, c'est une verte. Regarde, là, il y a une verte. On va par là? Elle est pas rassurée, la pauvre. On prend la verte. Ouais, j'en ai fait. Oh non, attends-toi. Ok, putain, on voit que dalle. On voit que dalle. Ah bah j'ai perdu cocotte. Elle est où? Elle est pas tombée quand même. Non quand même pas, cocotte. Ça fait 2 minutes qu'on skie. Ça fait 2 minutes. Nous reverrons plus jamais cocotte. Elle est très certainement décédée. Tombée dans un ravin. Ok c'est bon, elle est là les gars. Elle est là. Elle a le cul plein de neige. Je lui ai demandé un truc. T'es tombée? Mes bottes étaient beaucoup trop lousses. Ah merde. Moi j'ai cru que t'étais morte. J'espère qu'on lisse que ça va aller. J'espère qu'on lisse tabarnak. Attends mais c'est pas une verte du tout, c'est une rouge ici là. Attends mais c'était balisé vert. Et là on est sur du rouge. Je comprends pas. Pourquoi les piquets sont rouges alors? Bah c'est sur rouge. On est archi pas sur une verte en fait les gars. Aucun effort, elle descend en feuille. Elle descend. Avance! Non, j'ai peur! Il faut faire pour voir que c'est peur! J'ai dit là, bouge pas! Elle hurle! Oh, je vais mourir! Ça fait si longtemps qu'on n'a pas eu de vidéo de ski, les gars! Ça fait trop plaisir! Si t'as peur de te planter en avant comme tu t'es déjà planté, là t'es dans la meilleure position pour le faire. Ouais, je suis sur mes talons. Il faut que tu tournes. Attends. Oui, je sais, mais c'est... Non, moi c'est quand j'ai tourné que j'ai eu... Attends, pousse. T'as... La sécurité qui tombe par terre. Sur ton... Wouhou. Ouais. C'est bien, tu prends un peu plus de vitesse là. Tu prends un peu plus de vitesse, c'est bien. Ouais, ça commence. N'hésite pas à bien fléchir tes genoux, comme ça t'auras beaucoup plus d'appui. Oh. Tu fais ça, limite, t'abuses. Oui, ça vient petit à petit. Plie les genoux, pas le corps. On va essayer de faire une piste bleue, je pense. En vrai, c'est ce qui est, elle a vu. Elle a juste peur si elle est tombée.
Enfin, elle a fait une grosse chute avant et du coup elle a un peu de trauma, quoi. Ce que je peux comprendre, en vrai. Ouais, t'as vu avec quoi il... C'est quoi ce truc? On dirait un snow scindé en deux. C'est parti. Cette fois-ci, objectif, piste bleue. Piste bleue? Ça le fait. En vrai, tu l'as senti comment, cette première piste? C'est stressant. Stressant? Oui, j'ai vraiment eu peur. Oh merde, pourtant c'est une verte. Je sais que c'est une verte, mais j'ai eu peur. Comment on pourrait faire pour que tu reprennes confiance? C'est ça le problème, c'est que j'ai plus de confiance en moi. Pourtant, tu sais, en fait, hein, ça se voit. Hein. Oui, j'essaie un minimum, tu sais, la base, mais dis-toi que j'en ai fait 10 fois dans ma vie maximum. Bah, c'est déjà bien. Hein. Pour 10 fois, ouais. C'est déjà bien. Hein. J'ai un snow, mais il est poussiéreux, là, il est dans mon cabanon. Ah. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, la fois que j'ai fait du ski, j'ai foncé dans un arbre. Mais t'arrive que des dingueries, hein. Ah, t'es morte, genre t'as résurrection? Résurrection? T'as revive? Oui, j'ai revive. Dans le fond, c'est comme sur Warzone, j'ai mon ami, j'ai mon allié qui a fait... J'ai revive. Ah ouais? Bah tiens, on va tenter. Bon, du coup, cocotte, mission bleue! On fait la bleue! Mission bleue, c'est parti! Et regarde devant toi, pas la caméra. Oui, madame! Oui! Oui, chef! Une fois! Oui, chef! Oui, chef! Ah, allez, Wario! Wario? Non, Wario! Wario! C'est ta vie! Wario! Je sais pas ce qu'il dit, Wario. Je crois qu'il fait Wario! Wario! Ouais, je suis ready, moi. Ouais, ça reste juste moi la merde. Quand elle me dit, t'es prête parce qu'elle panique. T'es prête parce que moi, je suis pas forcément très prête là. Attends, wow. Ah! Ton cul dans mon visage! Ah, j'ai vu tes fesses en 4K. Ouais. T'as aimé ça? Ah, j'ai kiffé. Avec le corps. Oui, oui, voilà. T'as voulu te jeter par terre, je t'ai vu. Elle a dit non. C'est pas vrai. Tu regardes loin. Le corps, bien. Talon. Ben voilà. Regarde, limite tu fais ça, regarde. Hop. Se faire entrer dedans. Elle a failli décéder. Il aurait fallu que j'arrive à eux. Bye. Allez, parfait. Hello. Oh my god. Are you okay? Okay? Le gars, il va direct devant moi. Bon, allez, on fait une petite descente, les gars, rapide. J'ai même frotté le sol, j'ai voulu flex un petit peu. T'allais vite ? Hey, fois on a fait un truc avec Dobby et tout. Ouais. On a fait genre, on se mettait dans une grande descente et on se faisait flasher par un truc. Oh là là. Ouh ! Ok. Ouh ! Mais Katem a fait 67 km. J'ai l'impression maintenant. Okay, c'est parti. Bon, ça va, elle a validé, les gars. Non, pour moi, c'était fucking nice. Bah, danse à toi. Elle vient de me dire qu'on fait la piste rouge. En vrai de vrai, est-ce que tu trouves que je suis une bonne prof? Non, tu m'as fait déjà une piste rouge après la troisième descente. Mais tu gères, t'as juste pas confiance en toi, je te jure, tu peux y arriver. Je te jure, prédiction dans les commentaires, est-ce que Cocotte va arriver à la piste rouge? Si à votre avis elle va y arriver, tapez dans les commentaires sushi. Mais arrête de pleurer, ça. Ok, c'est mardi pour la piste rouge. Première fois pour Cocotte. C'est ici, Cocotte, que ton apprentissage débute. Oui. Tu es mon élève. Donc tu vas, oui, tu vas écouter
tout ce que je veux dire. Oui, chef. Ok, Awal. C'est quoi? Awal. C'est quoi? À poil. Ok. Hop là. C'est tranquille, vas-y tourne. Toi, au calme. C'est juste un peu plus rapide. C'est ce côté-là, je l'aime ça. Elle descend en chasse-neige. Vraiment. C'est incroyable ce qui se passe, cocotte. C'est incroyable. Let's go. Yes. Vas-y, continue. Parfait. Coach, est-ce que j'ai bien fait ça? Franchement, ouais, tu t'es bien démerdé. Et on sent une nette amélioration par rapport au début de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez ici dans les commentaires? Moi, je trouve que là, tu es presque à la hauteur d'une vraie snowboardeuse. Merci. Moi, je me dis que si je faisais ça environ 10 fois par année, je serais meilleure que là en ce moment. Non, mais là, je te dis, à la fin de la journée, tu vas savoir faire des S. Ouais. Est-ce que, et du coup, t'as changé d'avis? Je suis une bonne prof de ski ou pas? Non, coach. T'es encore mauvaise, coach. Alors, on peut, je peux sauter? Enfin, je peux lever ça. Allez, hop. Et voilà, tu peux sauter. Ciao. Bon, du coup, les gars, après effort, le réconfort. Bon. On a fini la journée, on a pris qu'une demi-journée parce que faut faire l'aller-retour sur Tokyo. Et puis, je pense que c'était suffisant. Ouais, ouais. Franchement, c'était sympa. Regardez. La vie est belle. Bah, franchement, je me suis trop bien amusée. Petite dégustation de hot dog. Bon, il y a beaucoup de ketchup de base, je suis pas trop fan de ça, mais vas-y. T'es trop fan des ketchup. C'est au ketchup, 6 sur 10. Oh, c'était un 9 dans mon hamburger. Je pensais que c'était un oignon. 3 protéines. J'ai du bacon, œuf et bœuf. Il est spécial quand même le burger. Vas-y, croque dedans. Il est épais. Il est bon? Non. Il y a du fromage? Ah non, c'est le jaune. Ah, c'est le jaune d'œuf? What the fuck, ah ouais. Mais comment ils ont fait? Je crois qu'ils ont fait un œuf sur le plat, ils l'ont retourné et... Et bon, pareil. Stylé. Waouh. Combien sur 10? Je m'attendais pas à ça. Ok, tu as. 7. Ok. Et les frites, frites quoi. Frites. Non, ils sont bons par exemple. Moi, je les trouve très frites. Mais c'est ça, moi c'est ça, j'aime croustillant comme ça. Ok. 2 sur 10 pour les frites. Pas mal. Mais arrête, on va mourir. Bon les gars, là on va rendre nos affaires et on va prendre notre train vers Tokyo. Franchement, ce fut une très bonne matinée. Moi j'ai trop kiffé cette journée. On va se reposer, je pense que je crevais, t'es crevé toi? Ouais, je crevais aussi. Vraiment, je pense qu'on va juste dormir dans le train. Bon, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, bravo à toi cocotte. T'as merci à toi. Super élève. J'espère que vous avez pris en note ces conseils. Voilà, prenez en note mes conseils pour faire du snow et être très mauvais par la provocation. Bref, je vous fais des bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi, mets un like, mets la cloche, blablabla. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos ski. Et bye bye. Bisous. Bye. Bye.